Canum sharam sharakaya. Shakshuru meditam jena. Taisme shigula venam. Namo Vishnupadaya Gauranga Prestaya Rupini. Shri Bhakti Vibhudaya Bhemvenete Namine. Namo Vishnupadaya Gauraprestaya Bhutali. Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami iti nomine. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami iti nomine. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Rashaka Shradev Goswami iti nomine. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine. Jai Shri Brahma Madhva Gudya Sarasvati Sampradaya Ki Jai. Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Surim mitram rudashinam vajakshan vesham bandhuchum sadhusvapichapapeshum samabodhi Celui qui me voit, pardon, celui qui voit un bienfaiteur, un ami, un ennemi, une personne neutre, un médiateur, un envieux, un proche, un saint et un pécheur avec une vision égale et encore plus exaltée. Parmi les Aludha Yogis, les yogis du plus haut niveau, ceux qui considèrent un bienfaiteur, un ami, une personne neutre, un médiateur, un envieux, un proche, un saint et un pécheur avec une vision égale, sont situés encore plus haut que ceux qui voient d'un œil égal la matière inerte. Dans ce verset, le Seigneur nous donne différentes caractéristiques de personnes qui se sont éveillées à une nature divine. La nature divine, ça veut dire qu'on peut voir la vérité. On arrête de se battre en pensant qu'on est supérieur. Par exemple, on voit beaucoup de personnes dans ce monde, que ce soit des Vaishnavas, des religieux, des matérialistes, à passer leur temps à se glorifier. Finalement, quand on critique quelqu'un, c'est qu'on se glorifie soi-même. C'est une réalité. Il existe des gens très qualifiés spirituellement, qui parfois reprennent les gens ou montrent ce qu'il ne faut pas faire. Mais ça, c'est des personnes spéciales. On ne doit pas imiter. Si on a des défauts, on doit plutôt se concentrer sur nos défauts et pas imiter les personnes qui sont très saintes et qui parfois prennent un exemple pour nous faire voir qu'on ne doit pas suivre dans ces traces, dans les traces d'une telle personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit prendre l'exemple en disant, ah, Gurudev, il a fait ça, ah oui, c'est des rascals. Non. C'est pas la bonne compréhension. La bonne compréhension, c'est de comprendre que cette chose qu'on nous montre, elle est en nous. Parce que si on la voit chez les autres, c'est qu'elle est en nous. On ne pourrait pas la voir. Quelqu'un qui n'est pas touché par le péché ne peut pas voir ce qui recouvre, hein, le péché des êtres vivants. Alors on pourrait se dire, bah alors il y a une contradiction.
Pourquoi quelqu'un de vraiment saint, il peut voir les fautes pour expliquer qu'il ne faut pas suivre ce chemin? C'est parce que c'est l'instrument du Seigneur suprême. Et le Seigneur suprême, à travers son dévot, nous montre ce qu'il ne faut pas faire. Mais si le Seigneur ne le prenait pas comme instrument, le grand Vaishnava, lui, il se voit comme le plus bas. Plus bas qu'un ver dans les excréments, Vishnas Kaviraj, ou Swami explique. Plus bas que toutes les créatures. Donc il ne peut pas montrer chez les autres un défaut. Parce qu'il voit simplement que c'est lui le plus bas. Donc comment un grand saint peut montrer les fautes? C'est parce qu'il sert d'instrument au Seigneur suprême pour élever la masse des gens. C'est pour ça que dans le Srimad Bhagavatam, par exemple, on peut trouver des comparaisons qui sont faites pour ne pas suivre ces exemples. Mais c'est pas une faute. C'est parce qu'ils servent à nous élever. Mais on ne doit pas se dire, ah, moi je me rappelle par exemple à une époque j'étais dans un temple, on entendait des classes de gens qui n'avaient pas la qualification spirituelle pour juger les êtres. Et c'était, ah, les matérialistes, ah, les matérialistes, ah, c'était la guerre. Mais finalement, qu'est-ce qu'on développe? La haine et pas l'amour. Comment on peut passer de la haine à l'amour? C'est en comprenant ce point scientifique. C'est que nos acharyas nous montrent les fautes parce qu'elles sont en nous. Et on doit les extraire en suivant leur voie. Donc, de cette manière-là, notre but, il est déjà dans un premier temps d'approcher la connaissance spirituelle qui est donnée dans la Bhagavad Gita, qui est donnée à travers les dévots du Seigneur, et se situer déjà dans l'équanimité. L'équanimité, ça veut dire que on voit tout d'un œil égal, mais on voit tout comme supérieur. C'est ça le principe. C'est pas qu'on est égal à toute chose. Hein. Parfois, certains spiritualistes, finalement, ils veulent être l'égal de Dieu. Ils veulent pas être le serviteur, ils veulent être Dieu. Mais nous, c'est pas notre vision. Quand on parle d'équanimité, on parle, hein, de voir les êtres sur un plan spirituel. Ça veut dire que on voit quelque chose de supérieur. Et on peut développer l'humilité. Cette humilité, elle est vraiment essentielle. Elle doit être cultivée. C'est pas facile. Et en même temps, c'est facile. Ça dépend quel est notre désir. Quel est notre désir? Devenir grand ou de devenir petit? Mais est-ce que c'est pour devenir petit, pour être adoré? Comment un Vaishnav se qualifie pour être petit? Dans un premier temps, c'est pas possible d'être petit. Naturellement, chez la Vishvanchri Thakur, il dit quand dans les stades où on n'est pas fixé dans la dévotion, véritablement, il y a cette capacité qu'ont les jeunes dévots à penser qu'ils sont élevés dans la dévotion. Je suis un grand érudit, je connais tout, je suis élevé dans la dévotion. Tout le monde, naturellement, commet cette erreur. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude, depuis des milliards d'années, que tout ce qu'on obtient, on se l'approprie. Donc quand le Seigneur réciproque avec nous, il nous donne une certaine intelligence, comme une récompense, ça veut dire une certaine réalisation, petite réalisation des qualités. Naturellement, qu'est-ce qui se passe? Les gens nous approchent. Oh, t'as dû être un dévot dans ta vie passée. Ça se voit quand même parce que tu chantes tellement bien pour Krishna.
Hein? Tu touches nos cœurs. Alors, notre réflexe, c'est de dire, ah non, non, pas du tout, moi, alors non, moi, je chante juste pour Krishna, pour Guru. Mais on est quand même bien content que ça rentre dans nos oreilles, ça nous fait quand même une certaine satisfaction. Vous comprenez? Et cette satisfaction, quand on commence à la déguster pour nous, elle nous illusionne. La preuve, c'est que Krishna fera un arrangement pour vous le faire voir. Quand vous allez chanter, quelqu'un vous dit, ah, moi je préférais vraiment l'autre. Vous partez quand? Quand est-ce que vous arrêtez de chanter? Quand est-ce qu'il revient l'autre? Et là, on va plus avoir une réjouissance, mais un petit pincement de cœur. Mais il y a une certaine hypocrisie qui est là religieuse, où on va faire semblant d'être humble et abandonné, etc. Mais dans notre cœur, il y a une certaine discrimination qui est là. Lui, je le préfère, et lui, mais bon, faut que je me batte quand même. Que j'ai entendu dire dans la Bhagavad Gita qu'il fallait voir l'ennemi et l'ami comme la même chose. Vous comprenez? Donc, il y a une bataille qui est là. Comment cette bataille peut finir? Parce qu'on peut se dire, on a entendu parler qu'à un moment, dans le service de dévotion, la bataille s'arrêtait. Mais ça fait 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans que je pratique, il y a toujours une bataille. Il y a toujours une bataille. Je veux toujours m'approprier les choses. Quel est le résultat de la sincérité? Premièrement, on va s'apercevoir de cette chose en nous. Cette chose va apparaître véritablement. On va pouvoir la voir. C'est ça le signe de la sincérité. On va pouvoir l'observer. Krishna va nous donner l'intelligence. Il va nous donner l'intelligence. On va pouvoir voir. C'est lui qui fait tout dans le cœur. Et deuxièmement, il va pouvoir nous donner la force de pleurer. Il va nous donner la force de pleurer, le pouvoir de pleurer, le pouvoir de se sentir sans puissance, sans aide, face à ce monstre qu'est Pratishtha, Lobha Puja, l'adoration, chercher le respect. Hein? La position. C'est un monstre. Personne ne peut détruire ce monstre. C'est impossible. Dans ce monde matériel, tout le monde court après ça. C'est expliqué que même quand la vie sexuelle est dépassée, grossièrement, elle reste sous une forme subtile, sous le fait de chercher la position et les honneurs. Raghunath Das Goswami, il dit, c'est le dernier obstacle à la pure dévotion. Donc ce Seigneur adorable, qu'est-ce qu'il nous permet, par la grâce de ses dévots, c'est de pleurer. Et cette prière, ces pleurs, de cette incapacité à dépasser l'envie, quand quelqu'un est plus élevé que nous, par exemple, on est envieux, mais on n'a pas envie d'être envieux. Ça nous colle. Ça nous pollue. Et on pense qu'on a dépassé ça, et il y a quelque chose qui revient comme ça, sous la forme d'un dévot, qui nous manque juste un tout petit peu de respect, et on voit que finalement, parce qu'on cherche encore ce tout petit respect, ça refait une brèche, et l'envie sera manifeste. Et on s'aperçoit de nouveau que notre relation avec Krishna recule. Donc, on doit pleurer. On doit avoir cette introspection. Et Krishna, quand nos pleurs seront véritablement sincères,
on sera fatigué de ne pas être un serviteur. Alors, il nous permettra d'être introduit dans quelque chose qui est supérieur. L'attachement à Krishna va commencer à venir. Avant, il y avait un goût. Parce qu'il y a, cette bataille, elle est authentique. Cette bataille, elle est authentique. Il n'y a qu'un dévot qui est fixé qui peut avoir cette bataille. Celui qui n'est pas fixé, il se fait emporter. Lui, il voit jamais ses fautes. Il fait de la politique. Il critique les autres qui sont pas dans son institution, par exemple. Il fait de la politique. Mais celui qui fixe dans le service de dévotion, il comprend que la politique, c'est son ennemi. Il devient fixe. Il veut l'amour. Il veut sa relation éternelle avec Radha et Krishna. Il veut connaître la position de son maître spirituel et servir éternellement son maître spirituel. Naturellement, cette bataille est là. Il y a encore des imperfections qui sont là. Mais le goût est là. Donc comme le goût se manifeste, Ruchi, il peut pas le perdre. Dès que quelque chose est mauvais qui vient en lui, il peut pas garder cette chose mauvaise. Mais c'est comme un monstre puissant qui revient. Et naturellement, comment l'abandon vient? Parce que le dévot, il comprend qu'il pourra pas par lui-même dépasser toutes ces choses-là. Donc, son désir de s'abandonner est de plus en plus puissant, parce qu'il a cette réalisation. Il veut plus de nectar. Il devient un être véritablement qui peut goûter du nectar. Il a expérimenté des ombres du nectar, des abbas, on appelle ça. Mais ça a un goût, déjà, qui est incommensurable. Et il veut pas revenir en arrière. Il veut pas. Il a peur même de l'énergie matérielle. Il comprend la puissance de l'énergie matérielle. Parce que comme il a goûté quelques gouttes, il peut voir la vérité sur un certain niveau. Et il peut voir comment les gens sont illusionnés dans ce monde, attachés à tellement de choses. Ils passent leur temps à travailler. Toute leur vie. Ils peuvent même pas profiter. Alors qu'ils vivent que pour profiter. Il peut voir tout ça. Et il devient complètement émerveillé même par l'énergie matérielle. C'est inconcevable, l'énergie matérielle. Mais en même temps, il comprend que par lui-même, il pourra pas atteindre la perfection. C'est pas possible. Et donc, ses pleurs, Krishna va lui donner une intelligence. C'est par mon dévot que tu peux obtenir ma miséricorde. C'est pour ça que celui qui commence à goûter la réflexion et la réalisation qu'il a, c'est qu'il ne pourra pas entrer dans ce monde par lui-même. Le monde de Krishna, on ne peut pas l'atteindre par soi-même. On l'atteint par la grâce d'un associé éternel du Seigneur suprême. C'est pas possible autrement. Et donc, naturellement, un tel dévot, il va encore plus pleurer. Parce que c'est difficile de s'abandonner. C'est difficile, véritablement, de mettre dans son cœur, 24 heures sur 24, les pieds parés au lotus d'un Vaishnava. Et il va prier Krishna. Shrimati Radharani, Guranga Mahaprabhu. Il dit, oh, Seigneur, s'il te plaît. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Voilà ce que pense une personne qui a du goût. Je me suis trompé. J'ai fait que me tromper. J'ai fait que tromper les autres. Je suis un être horrible.
Et comment moi-même je peux être introduit? C'est impossible. Mais en même temps, qu'est-ce que je peux te demander, Seigneur? Tu es l'ami des misérables, des déchus. Et je suis le plus déchu. Et bien que je me suis fait initier par un gourou authentique, j'ai jamais été authentique. J'ai toujours cherché, finalement, une position. J'ai pas compris ce que mon maître spirituel voulait me donner. Il voulait me donner des joyaux. Mais j'ai rien pris. Et donc, un tel disciple, il se repent amèrement. Et naturellement, c'est comme si véritablement, il prenait l'initiation. Véritablement. Et là, il commence à vraiment suivre dans les traces des Vaishnavas. Et devenir très humble, rien prendre pour lui. Et quand Guru ne quitte jamais son disciple, parce que Krishna est dans le cœur, et tous les Vaishnavas sont dans le cœur de Krishna, et Krishna manifeste pour un disciple la présence du Guru éternellement. Et le principe, c'est qu'à un tel niveau, le maître spirituel, en fait, manifeste la miséricorde au gourou, au disciple, pardon, en révélant des aspects très intimes de sa personne. Et l'attachement pour gourou se manifeste d'une manière extrêmement puissante. En premier, chez le Bhaktivedanta Narayana Maharaj, je disais, il y a Guru Bhakti. Après, il y a Krishna Bhakti. Et après, les aspects encore plus confidentiels sont révélés. Comme les pieds parés au lotus de Shrimati Radharani. Radharani, c'est caché. C'est quelque chose de, c'est le cœur de Krishna. Quand on touche le cœur du gourou, on touche le cœur de Krishna. Et naturellement, quand on touche le cœur de Krishna, on touche le cœur de Shrimati Radharani. Et quand on touche le cœur de Shrimati Radharani, alors on devient introduit dans le monde transcendantal. Parce que c'est elle qui dirige tout. Le gourou, c'est un serviteur. Du serviteur, du serviteur, du serviteur. Mais avant, si on vient au tout début, on doit véritablement faire attention à cette recherche de position. Dès qu'on lui laissera une toute petite chance, elle entre dans le cœur et elle grandit. Et elle peut nous faire chuter. Quand on critique les Vaishnavas, alors on devra en souffrir. Comment on souffre? C'est en étant attiré de nouveau par ce monde matériel. Sous la forme d'une femme, sous la forme de l'intoxication, etc., etc. On va perdre un temps précieux, parce qu'on est comme puni par le Seigneur suprême. Et bien qu'on soit puni parce qu'on a un orgueil excessif dans cette position-là, moi, 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 moi. On pense même qu'on peut avoir une relation avec Krishna. Le mental est très puissant. Mais la réalité, c'est qu'on est toujours attaché à des choses basses. On ne peut pas être attaché à des choses qui sont basses et avoir une relation avec ce qui est très élevé. Naturellement, quand la relation se manifeste, on se détache pour les choses basses. Mais en fait, ce qu'on appelle le sadjas, qui est une apparence, mais qui n'est pas belle, et qu'on parfois on cultive dû à des offenses, c'est cette tendance qu'on a à se tricher soi-même. En critiquant les Vaishnavas, on se coupe de la vraie relation avec Radha et Krishna.
et on tombe dans un piège de cultiver finalement la position, de pouvoir par nous-mêmes avoir une relation de travail avec Krishna. Mais c'est pas possible. Ce lien éternel avec Radha Krishna, il vient comme une extension de notre bonne attention envers tous les êtres. Que dire des Vaishnavas? Et de notre bon service envers le maître spirituel, notre foi dans l'instruction du maître spirituel. Si un disciple il a foi dans l'instruction de son maître spirituel, le gourou est une personne qualifiée. Nikunjayuno hulatekele silaye yahalibiyukti alpeshaniya. De tels gourous, ils ont un service éternel dans les bosquets de Vrindavan. Or, leur instruction, ne pensez pas qu'elle est matérielle, elle est une extension de ce service. Si vous avez foi dans l'instruction, un jour vous pourrez être surpris que ça vous amène dans cette intimité. Parce que c'est ça le but du gourou. Mais si on gâche toutes les choses en recherchant le respect et pas en appliquant les instructions du maître spirituel, alors on va prendre cette instruction pour s'enorgueillir. Ah oui, t'as vu Gurudev, moi, il m'a dit ça. Ah ouais, oh, t'es un pic dévoti. Ah ouais, c'est incroyable, je savais pas que t'avais une relation comme ça avec Gurudev. Ah ouais. Vous comprenez? Le piège, ça devient du poison. Mais si on comprend que l'instruction du gourou, elle n'est pas différente du gourou, et que lui, il n'est pas cette personne qu'on pense extérieurement, mais qu'il a une forme transcendantale et un service transcendantal, alors on aura une autre vision de l'instruction du maître spirituel. Et quand on le servira, on sera un mendiant de cette instruction pour qu'il puisse nous révéler sa miséricorde et nous introduire sur un plan supérieur. Mais un disciple qui est une crapule, lui, il n'a jamais cette réalisation-là. Jamais. Gurudev m'a dit ça, hein. C'est moi le successeur. Un gourou authentique, il veut jamais être le successeur. Il se sent jamais qualifié pour être le successeur. Ça l'intéresse pas, la succession dans le monde matériel. Vous comprenez? Son plan, au disciple authentique, c'est atteindre une autre plateforme. Mais si gourou lui dit, non, 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 je veux que tu le fasses, alors il va le faire. Parce que de cette manière-là, alors il atteindra la perfection. C'est pour ça que parfois les grands Vaishnavas, ils acceptent une position d'acharya, etc. Vous comprenez? Mais celui qui n'est pas authentique encore, il peut se battre pour la position. Hein? C'est normal. Mais même si quelqu'un se bat, on ne doit pas le critiquer. Parce que tout le monde peut changer. Si nous, on a la possibilité de changer, les autres aussi. Quelqu'un peut faire une erreur, mais il peut devenir très qualifié après, parce que cette erreur-là, elle va lui permettre de devenir qualifié et de se détacher et d'obtenir la miséricorde. Donc, dans notre voie, on ne condamne pas les gens. Parce que si on peut évoluer, les autres peuvent évoluer. Et si on les critique et qu'ils deviennent un jour impurs dévots, cette critique, elle reste. Et on devra en prendre les conséquences. Il faut faire attention. Hein? On est dans un monde qui est très scientifique et on a vraiment conscience des répercussions que peuvent avoir des pensées, des actions. Il faut faire attention. Il faut aller vers la vertu. La vertu, c'est la précaution. Notre but, c'est pas d'être une étoile filante.
Vous savez, une étoile filante, vous faites un show dans le ciel, et puis après, il n'y a plus personne. Et tout le monde vous a vu. On a vu que vous. Et puis après, il est parti où? Bah, je sais pas. Vous comprenez? Notre compréhension, c'est que le plan supérieur, il n'est pas facile à obtenir. Rupa Goswami dit, il est rarement atteint. Mais il peut être atteint par celui qui a foi dans l'instruction de son maître spirituel. Tout peut être obtenu à travers l'instruction. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada disait, l'orgueil du disciple, c'est l'instruction sur sa tête. Et il en est la personnification. Il personnifie le disciple qui comble le désir du gourou, qui va au bout de l'instruction. Il est venu pour ça, pour nous montrer l'exemple, comment un disciple doit suivre l'instruction du maître spirituel. Alors ça peut être une grande instruction, comme il a reçu de prêcher dans tout le monde, ou une petite instruction de nettoyer les peaux, c'est au même niveau. La substance est la même. Et ça, c'est difficile à comprendre. Parce qu'on pourrait penser que, ah, lui, c'est big, 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 big! Et lui, c'est small, 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 small! Mais au niveau spirituel, c'est pas comme ça. C'est différent qu'au niveau matériel. Et il faut faire vraiment attention dans le monde Vaishnava. Tu peux avoir un insignifiant mendiant, qui est très avancé spirituellement, autant que quelqu'un qui propage partout sur le monde. Mais le néophyte, lui, pense qu'il y a une différence, et c'est très dangereux. On doit faire attention. C'est pour ça quand Krishna nous donne l'intelligence, et qu'on devient sincère, il nous donne cette vision. Pas simplement de voir tous les êtres au même niveau, mais il nous révèle les joyaux. Il nous fait voir, oh, un Vaishnava. Krishna nous donne l'intelligence de voir, oh, un Vaishnava. Tout le monde pense que cette personne est insignifiante, mais lui, il voit, oh, un joyau, une pierre qui peut changer mon cœur, Parshitamani. Vaishnava peut changer mon cœur, il voit, c'est comme déguisé. Mais Krishna lui permet de voir. Et le Vaishnava, il voit, oh, il m'a vu. Et il y a un échange qui se passe. Et une miséricorde spéciale et invisible aux yeux des êtres ordinaires s'échange. C'est ça, pour un Vaishnava, la vision. C'est pas simplement comme un gagné de voir tout sur un pied d'égalité. Un Vaishnava, il a la possibilité de reconnaître qui est qui et d'aller s'abreuver. C'est pour ça qu'un Madhya Madhikari, il peut reconnaître un Vaishnava. Il peut se lier d'amitié avec les autres Vaishnavas qui ont un simple but, la pure dévotion. Il peut être miséricordieux, pas parce qu'il se sent supérieur, mais parce que, naturellement, il parle de Krishna par amour. Et les autres en profitent. Parce qu'il se sent inqualifié, il étreint les gens en pensant qu'ils sont plus qualifiés. Et puis surtout, il voit les gens comme supérieurs parce que grâce à eux, il peut progresser. Quand il parle, Krishna devient satisfait, Guru devient satisfait. Et naturellement, il commence à voir un monde, c'est même pas égal, c'est supérieur. Et il va encore plus loin dans l'humilité qu'un gagné, beaucoup plus loin. C'est rien un gagné. Un gagné, il peut pas atteindre
Il ne peut pas avoir un Vaishnava. Il ne peut pas avoir des yeux, des oreilles, un corps spirituel, transcendantal. Or, toute cette démarche spirituelle, tout ce jeu qui existe entre Guru, Krishna et le disciple font qu'à un moment ou à un autre, il commence même à sentir, à réaliser son corps transcendantal. Parce qu'il peut pas voir ce monde supérieur avec des sens matériels. C'est pas possible. Donc le stade d'Ashakti, c'est le stade de la révélation que ça commence. Et l'être vivant, il commence à avoir des, comment dire, il commence à avoir tellement de pureté, Bijacharita court, qu'il commence à voir ce monde. Et il peut s'attacher. Ça l'attracte. Il devient attaché. C'est expliqué qu'à Ashakti, de la même manière que quand on est un matérialiste au début, un Vaishnav, on a du mal à se fixer ses pensées sur Krishna. Eh ben, quelqu'un à Ashakti, il a du mal à remettre son mental dans ce monde. Bon, ça veut dire que le monde transcendantal vient constamment le chercher. Il est immergé dans les lilas de Krishna. On écoute. Le souvenir de Krishna l'immerge. Les sentiments spirituels l'immergent. On peut même pas imaginer le chant. C'est pour ça que les acharyas disent qu'à Shakti, le chant est pur. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? Les fleurs de l'amour pour Dieu bavent, s'ouvrent en fait. Et un parfum encore supérieur vient, parce qu'il peut sentir directement l'arôme du corps de Krishna, les différents, comment dire, sentiments, etc., etc., les parties du corps, etc. Toutes les choses, son service éternel lui est révélé, etc., etc., etc. Il pourrait écrire des livres entiers, avec tellement de détails. C'est pour ça, parfois, certains dévots qui sont à Shakti, par exemple, ils écrivent des livres, ils ont le droit, ils peuvent, parce que Radharani elle-même peut leur demander d'écrire des livres. Mais les dévots néophytes disent, mais pour, qu'est-ce qui se prend, celui-là? Faut faire attention. C'est pas parce que nous, on est déchus, que tout le monde reste déchu, papa. On doit ouvrir son esprit si on veut progresser. Si on veut progresser, il faut laisser les autres progresser. Sans ça, si on les accuse, on progresse pas. On leur donne simplement la chance d'aller plus loin. Parce que eux, plus vous les attaquerez, plus ils seront beaux. Donc vous leur rendez un service, mais pas à vous. Donc si on veut progresser, on doit comprendre que le progrès, il est possible pour les autres. On a fait des erreurs. C'est pour ça qu'on a du mal à progresser. C'est pour ça qu'on rencontre des obstacles. On a fait des erreurs. Mais il y en a d'autres, ils ont fait moins d'erreurs que nous. Dans leur vie passée, ils étaient plus avancés que nous. Et on doit s'inspirer de ces dévots-là. On doit ne pas être envieux. Mais de se dire au fond de nous-mêmes que j'aimerais tellement être comme eux. C'est comme ça qu'on peut choisir, être soigné de l'envie. On doit arrêter de se battre. Et un jour, on pourra avoir l'attachement réel, qui viendra pas par une calculation, mais une attirance qu'on pourra pas contrôler. Alors bien sûr, c'est un but élevé. Mais ça peut être atteint si on a un travail sur nous. On doit avoir un travail sur nous. L'introspection, elle est très importante. On doit véritablement
avoir un œil sur nos journées, avoir une introspection de comment j'ai chanté mes tours, de comment je me suis souvenu mon maître spirituel, quel a été mon service pour lui. Est-ce que j'ai véritablement satisfait son désir? Est-ce que si je continue dans cette voie, je vais vraiment le satisfaire? Au fond, nous-mêmes, on sait que non, parce que le nectar n'est pas apparu. Mais pourquoi on continue là, dans cette voie? Il est là le problème. Pourquoi on continue? Par exemple, notre maître spirituel nous a dit, change d'attitude. En secret, on n'a pas changé d'attitude. On s'est mis en colère. Mais pourquoi? Pourquoi on gâche notre vie tous les jours et tout le temps? Vous pensez que le gourou va vous ouvrir les portes? Et s'il vous ouvre pas les portes, il faudra revenir. Tout ça pour du respect. Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un se mette en colère contre nous. On ne peut pas accepter que Krishna vienne d'une manière, de telle manière, parce que cet environnement, on doit le voir comme lui, comme positif. Mais on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il faudra plus survivre. Parce que on n'a pas décidé. Vous savez, qu'est-ce que c'est un tricheur? C'est quoi un tricheur? C'est quelqu'un que le maître spirituel lui a demandé de faire quelque chose, mais il ne le fait pas. Le maître spirituel, c'est l'instrument de Krishna. S'il vous demande de changer, vous ne le faites pas, alors vous êtes un tricheur. Vous trichez vous-même. Dans le monde de Vraj, il n'y a pas de tricherie. Vous reviendrez. Krishna remanifestera le gourou et il vous dira la même instruction. Et tant que vous ne la suivrez pas, vous reviendrez. On est l'agent de notre progrès. On n'a pas le choix. Si vous acceptez pas que Krishna peut se manifester à vous et vous montrer ce que vous devez faire et pas faire, alors vous êtes perdu. Une instruction, ça peut nous amener à la perfection. Mais le disciple qui n'est pas authentique, qui cherche pas à être un disciple mais un maître, lui, il fait jamais l'instruction. Il ne suivra jamais l'instruction. Il ne change pas. Et c'est la plupart des disciples. C'est un choix. Et ces disciples-là, quand quelqu'un avance, parce qu'il suit l'instruction, il devient en vue. C'est pour ça que vous voyez la guerre. À la base, il y a ce problème de ne pas suivre. En fait, le gourou vient sur cette forme-là d'un Vaishnava pour engager notre corps, notre mental, notre intelligence et nos sens encore contaminés. Mais si on suit les instructions, alors les sens se purifient, le mental se purifie, l'intelligence se purifie et le véritable ego peut se manifester. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça, on devrait véritablement méditer sur l'instruction du maître spirituel. Et travailler dessus. Si le maître spirituel nous dit telle chose ou telle chose, par exemple, reste à tel endroit, on ne va pas aller à un autre endroit. Vous comprenez? S'il nous demande d'amener un verre de lait, on ne va pas amener un verre d'eau. On suit les instructions. Et si on suit, ça sera peut-être difficile.
Parce que l'instruction du maître spirituel, elle n'est pas facile à accomplir. Parce qu'elle va régler notre problème de l'existence, notre problème intérieur. C'est pas facile. Mais le but sera là. Parce qu'avec l'instruction du maître spirituel, il y a la miséricorde de Krishna. Oh, Krishna, dans un premier temps, aide-moi. Mon maître spirituel m'a donné une instruction, j'arrive pas. C'est tellement dur. Je sais que c'est ton désir, conserve tes dévots. Je sais, c'est la chose qui te fait plus plaisir. La preuve, c'est que dans la Dipurana, tu nous dis que celui qui veut te servir directement, c'est pas vraiment ton dévot. Mais il m'a donné une instruction, c'est tellement dur. Il m'a dit d'arrêter de me mettre en colère, par exemple. C'est de cette manière-là qu'on devrait suivre les instructions du maître spirituel. Parce que si on ne fait pas ce qu'il veut, il aura pas, ça va pas toucher son cœur. Et si on touche pas le cœur d'un Vaishnava, on touche pas le cœur de Krishna. Et notre service ne reste qu'externe. Des aspects confidentiels du service de dévotion ne nous seront jamais dévoilés. On restera un religieux, un vieux religieux, hein, qui juge les autres, mais c'est tout ce qu'on obtiendra. Tant qu'il n'y a pas une vie interne, on ne pourra pas comprendre qu'est-ce que c'est le vaishnavisme. Et on peut devenir un sacré fanatique. Hein. Merci beaucoup. Oui. Donc la question, c'est que tout à l'heure on parlait de lamentation, de pleurs. Est-ce que ces pleurs, c'est des pleurs où il y a des larmes véritablement qui apparaissent, ou de quelle manière ça se passe? Il y a plein de possibilités. Les possibilités sont immenses. Les possibilités sont immenses. Tout dépend à quel niveau est le dévot. Tout dépend à quel niveau. Les très grands Vaishnavas, ils peuvent pleurer dans leur corps transcendantal. Ils peuvent même sentir la séparation parfois dans leur corps transcendantal. Comme des... Parfois, Krishna peut faire ça. Pour augmenter leur amour et leur faire expérimenter Vipralamba, le sentiment de séparation. D'autres, à un niveau moins élevé, ils peuvent pleurer avec des larmes extérieures. D'autres, avec un niveau plus élevé, avec leurs sentiments. Tout est possible. Alors on peut se dire, mais c'est les sentiments qui nous font pleurer. Bien sûr. Mais parfois, les sentiments transcendantaux, Krishna se manifeste dans le mental de son dévot. Et il peut parfois ne pas faire apparaître des larmes, véritablement, mais le cœur peut fondre. Il y a différentes façons de pleurer chez un Vaishnava. C'est pas quand on parle de pleurer, c'est pas forcément des pleurs comme dans les films. Mais le cœur peut fondre.
le mental, le, comment dire, l'esprit du dévot peut fondre en larmes. Et il peut aussi être, se sentir abandonné dans son corps transcendantal. Il y a des différents niveaux, en fait, de dévotion. Et bien sûr, quand la dévotion est expérimentée dans des hauts niveaux, comme Swarup Shakti, ou quand l'être vivant part, en fait, dans son service transcendantal, et alors les émotions peuvent se manifester dans le corps. L'océan qui est ressenti, le préma, qui se manifeste comme des ondes, en fait, dans le corps. Et différents symptômes peuvent se manifester. Mais ça, c'est des dévots très élevés. Il y a plein de façons de... Quand on parle de ces pleurs-là, ça peut être à tellement de niveaux. Tellement de niveaux. Nous, au début, on pense... Mais en fait, il y a plein de façons. Un Vaishnav, tu peux l'avoir en face de toi, et il peut être dans une lamentation extrême, et rien faire paraître. Ou parfois, il peut pas se retenir. C'est plus fort que lui, et ça pète. Le barrage, en fait, le préma se manifeste extérieurement. Et tu vois le dévot, il verse des larmes. Et son corps, tout son esprit se bloque sur Krishna, et même la bave peut sortir, son corps peut trembler, il peut tomber par terre. Tout est possible. Tout est possible. Tout ça, c'est Krishna qui contrôle les choses. Rishikesh. Donc, les possibilités sont illimitées. On peut expliquer par rapport à notre compréhension, notre expérimentation, mais il y a des choses bien qui nous dépassent. Et de loin, et de loin, et de loin. Donc, on ne peut pas vraiment expliquer toutes ces choses-là. C'est tellement élevé. Oui. D'accord. Donc, on a une règle au niveau du monastère pour nous aider à vivre ensemble. Et on a pris comme principe que s'il y a quelque chose d'anormal dans la communauté, on devrait le rapporter à la personne qui est en charge d'harmoniser, qu'on appelle un supérieur dans les communautés. Sans ça, on ne peut pas harmoniser les choses. Et comment faire qu'on rapporte quelque chose de ne pas être envieux, de voir une faute, etc. En fait, c'est le principe d'un service. On fait un service. Et si on accomplit ce service d'une manière détachée, mais pour le bien de la communauté, en comprenant que quand on rapporte les choses, les problèmes peuvent être réglés, donc on ne sera pas envieux. Mais pour ça, naturellement, il faut une maturité spirituelle, de comprendre que la communauté du Seigneur, elle doit être belle, elle doit être aussi pratique, elle doit être harmonisée pour que les gens puissent l'accepter. Si on laisse les mauvaises choses et qu'on les cache, c'est pas une bonne chose. Donc, naturellement, le travail d'une autorité spirituelle, c'est pas de faire du mal aux gens, c'est de leur dire, tu sais, si tu continues comme ça, c'est pas une bonne chose. Parce que ça crée une désharmonie. Par exemple, si quelqu'un, il se met en colère, c'est pas possible. Ça crée une désharmonie.
Donc pour le bien de la communauté, il faut changer. En fait, il y a toujours un service communautaire et un service personnel. Le service personnel, c'est le développement de l'amour de Dieu et notre relation avec Guru, Gauranga, Radha et Krishna. Et le service, ça c'est le service interne. Et le service externe, c'est le service de la communauté, dans la famille, dans le monastère. De cette manière-là, on peut faire notre devoir prescrit, que nous donnent les Écritures, notre maître spirituel, ou une règle monastique, par exemple, et purifier notre vie de cette manière, et de développer des qualités. Et intérieurement, notre but, il n'est pas de rester dans les règles. Notre but, il est d'atteindre un jour Vrindavan. Mais en suivant les règles, on atteint aussi ce but-là. Parce que les règles ne sont pas différentes, parce qu'elles sont établies hein, d'une manière à nous amener à développer ce désir. Parce qu'elles sont, la communauté Radha et Krishna est là sur l'autel. Vous comprenez? Donc tout est mis en place pour pouvoir leur plaire. Notre but, c'est de leur plaire. Notre but, c'est de plaire aux purs dévots. Cette règle-là, elle a été acceptée, elle a été, on a demandé l'autorisation. Si un pur dévot accepte, Radha Krishna accepte. Donc, en suivant cette règle-là, on va pouvoir développer des qualités, de rapporter quelque chose sans être envieux. Et celui qui est quelque part, je vais dire, dénoncé, il doit pouvoir reconnaître sa faute sans être envieux du frère qui lui a dit, parce que c'était pour le bien de la communauté. Il doit comprendre que voilà, notre but, c'est de montrer une belle chose au monde entier. De prouver que le mouvement de Mahaprabhu, c'est une belle chose. Si on parle de quelque chose, mais on peut pas le faire voir, c'est qu'il y a un problème. Donc on doit comprendre pourquoi il y a une règle. On doit comprendre cet esprit. Donc si on le comprend, quand on dérape, bah, quelqu'un nous dira, t'as vu, il y a un problème, et on l'acceptera, c'est pour notre bien, c'est pour nous ramener à la réalité. Et celui qui rapporte l'information, c'est pour le bien de son frère. Il n'y a pas l'envie, il y a l'amour. Mais les gens qui sont envieux, quand vous les critiquez, ah oui, c'est toujours pareil, vous voulez me mettre dehors, c'est ça, hein? Comme le crapaud. Le crapaud, il peut être habillé en jaune, par exemple, un crapaud. Ou en rouge, ou en bleu, déguisé, mais ça reste un crapaud. Vous comprenez? Un crapaud, il sait juste faire ouah, ouah, ouah. Mais il va pas accepter de changer. Or, pour changer, on doit comprendre que les règles du service de dévotion, elles sont mises pour notre bien. Et si on les accepte comme pas différentes de gourou, Goranga, alors on progresse. Personne devrait se battre parce que on a fait quelque chose de mauvais, parce qu'on le rapporte à l'autorité pour qu'il puisse nous parler et que ça aille mieux. Personne devrait faire ça. C'est pour mon bien. Sans ça, on ne pourra pas rester. Si on met un jour trop de disharmonie, on partira. C'est juste question de temps. C'est nous-mêmes qui nous mettons dehors. C'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Parce que si on regarde bien, il suffirait qu'on change notre mentalité pour être accepté et tout le monde nous aime. Mais on persiste. Pourquoi? Le pouvoir, le respect. Il me manque de respect. Il me manque de respect. On a que ça. Il me manque de respect. Respect, respect, respect. On chante pas les Krishna. On chante respect, 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 respect. C'est la preuve. Sans ça, on ne pourrait pas voir des ennemis. Ce serait pas possible. Mais les crapauds, eux, ils peuvent pas comprendre ça. Hein?
En fait, la question, c'est que quand un disciple il fait une erreur envers le service de son maître spirituel, est-ce que ses lamentations et ses pleurs, ce repentir peuvent l'aider, bien sûr. S'il n'y a pas de repentir, c'est comme une offense. On considère l'instruction du gourou comme ordinaire. Or, le disciple, quand il suit l'instruction de son maître spirituel, naturellement, dans cette instruction-là, il va commettre des erreurs. C'est normal. Dans ce monde, on ne peut pas faire autrement que commettre des erreurs. Mais s'il se repentit, alors l'instruction, elle devient de plus en plus puissante et de plus en plus présente dans le cœur du disciple. Au point qu'il peut sentir la présence du gourou en lui, à côté de lui, constamment. L'obapashanti, il devient observé par le maître spirituel. Naturellement, quand vous devenez observé, c'est plus difficile de faire des erreurs. En fait, on fait beaucoup d'erreurs quand on n'est pas observé. Mais ce repentir-là va nous permettre d'attirer encore plus la miséricorde du gourou, de Krishna. Et la présence physique même du gourou va pouvoir être ressentie dans le disciple. Au point qu'il va se sentir observé. Quand il va parler, le gourou sera là. Donc il sentira que toute la miséricorde vient du maître spirituel. Parce que quand le gourou est là et qu'il fait pour lui, Krishna est là et lui donne l'inspiration. Krishna miséricordieux, il en profite. Ah, je satisfais mon pur dévot à travers cette personne-là. Il lui donne toute l'inspiration. C'est un jeu, en fait. Mais s'il n'y a pas le repentir, comment on peut venir à une plateforme comme ça? On prendra l'instruction comme quelque chose de secondaire, mais notre faux ego, lui, par contre, on prendra l'instruction pour grossir notre faux ego. Donc c'est normal. Bon, on va s'arrêter là.